Ah, bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Que lire cet été. Aujourd'hui, on va parler de l'événement DC qui est sorti l'année dernière chez DC Comics. C'est donc un événement écrit par Tom Taylor et Trevor Hersin. C'est un événement chez DC Comics qui met en place une épidémie de zombies, simplement, qui attaque les super-héros et aussi les habitants, ceux qui n'ont pas de pouvoir aussi. Pour l'avoir lu moi-même, je peux très bien vous le conseiller parce que c'est un événement qui mêle action et action. Il n'y a rien de plus, en fait. Parce que, si, il y a beaucoup de rebondissements, c'est vrai, il y a au bout d'un moment des héros qu'on ne pensait pas qu'ils allaient mourir, ils meurent, comme ça. Mais ça mène beaucoup d'action, hein. très peu de suspense, hein. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Mais je vous le conseille quand même parce que c'est un très très bon event, hein. Que je conseille à tout lecteur, finalement. Parce que c'est quelque chose que vous pouvez lire sans avoir lu quelque chose à côté ou tout simplement lié à l'univers DC Comics. Bon, évidemment, il faut connaître un minimum les héros DC Comics pour connaître qui ils sont, quoi. Mais après, n'y a pas de référence à l'univers Rebirth ou encore les New 52. Aucun rapport, vous inquiétez pas. Après, les dessins sont vraiment magnifiques. De toute façon, je vais mettre des planches ici. Les dessins sont vraiment magnifiques. Le scénario est aussi très bien. Après, je trouve qu'il est assez fade. Moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est les covers, qui sont magnifiques par les dessinateurs. Magnifiques. Voilà, je vous dis plus rien. Salut Cerise. Je vous dis plus rien sur la suite. Moi, je vous laisse découvrir ça. Vous pouvez évidemment le retrouver sur le site en ligne readcomics.fr que je vous mets en bas si vous voulez le lire. Ou tout simplement si vous voulez l'acheter, eh bien, vous pouvez acheter, l'événement sortira normalement cet été et donc à ce moment-là dans nos boutiques françaises finalement de comics. Alors, on pourrait les acheter. Mais aussi, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour le premier épisode de Que regarder cet été, les amis. Allez, salut.